One of the leading painters of the 16th century Venetian school, Paolo Cagliari, known as Veronese, is famous for his mural paintings which adorn the Palladian villas of the Veneto, as well as his canvases which include The Entombment, produced around 1575. Elle est réalisée non pas sur une toile sergée ou à chevron, comme caractéristique de l'école vénitienne, mais sur une toile de lin. Tissage d'armure simple, extrêmement serré, de grande qualité. The work has been restored twice over the course of history, once in 1802, then again in 1947 by Henri-Paul Boissonnat. Le restaurateur qui s'était chargé de cette œuvre avait effectué de nombreuses retouches, mais au cours des années, la couleur, les pigments qu'il avait utilisés pour effectuer ces retouches s'étaient beaucoup éclaircis et cela nuisait beaucoup à la lisibilité de l'œuvre. The work on Paolo Cagliari's Entombment, carried out over an eight-month period, is part of a program to scientifically analyze and restore the Italian paintings held by the Geneva Museum of Art and History. After a materials analysis, the old varnish and retouches are removed. This process has revealed certain iconographic details, such as the wounds painted on Christ's forehead. The overpainting and varnish gone, it's time to lay and level the putty filler. La surface du tableau présente de nombreuses lacunes. Et comme il s'agit d'une perte de matière, ces lacunes créent une différence de niveau. Et le mastic, que nous appliquons à l'aide d'une lumière rasante, nous aide à retrouver à la fois le niveau de la couche picturale, mais aussi son aspect de surface. On utilise toujours des matériaux réversibles, c'est-à-dire qui peuvent être retirés plus tard si c'est nécessaire de manière très aisée. Once the putty has been applied, the retouching phase begins. A long and painstaking task which respects the artist's original work. Il s'agit d'intégrer avec des couleurs toutes les lacunes de couche picturale. Ces couleurs sont appliquées uniquement sur la surface des mastiques, sans déborder sur la couleur originale, et sur des zones d'usure où apparaît la préparation originale de l'œuvre. Done in watercolor, the retouches are purposely different to the original linseed oil-based medium. A laboratory analysis had to be carried out before the pigments could be chosen. Performed by Stefano Volpin, they revealed certain peculiarities. La première d'entre elles est la présence d'une très très fine couche appliquée à la brosse d'une terre argileuse très très pauvre en oxyde de fer. Sur cette couche de préparation, les analyses des pigments ont révélé là une palette extrêmement riche. Pratiquement l'ensemble des pigments disponibles sur le marché des couleurs à Venise au XVIe siècle est présente. Ultramarine, lead white, red lake and yellow orpiment, the range of colors is extremely varied and characterized by the exclusive use of malachite green for the vegetation. Contrairement à ses contemporains, Véronèse, lui, semble privilégier ce vert de malachite, un vert extrêmement clair. Et il s'avère que le vert de malachite est un pigment qu'on retrouve beaucoup dans la peinture murale, et peut-être que c'est un transfert d'une technique à l'autre, ou en tout cas un choix de pigment qui le caractérise véritablement. The use of characteristic pigments leads us right to the heart of Veronese's studio and confirms the painting's authenticity. The restoration has brought to light the way in which the painter built up his paint layers. Applied initially in broad covering strokes, the paint is enhanced in certain places by glazes, then reinforced by fine, opaque, vigorous touches of color. The use of lighter colors, notably in the folds of the clothing, further demonstrates Paolo Cagliari's perfect technical mastery of his art.